Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dossier insécurité, hein, c'est le cas pour parler de lui. Nous sommes dans zone Martissan, gagné viré tourné, on a mouru dans zone ça, gagné un pile de citoyens dans Carrefour, yo même qui a demandé intervention, yon l'armée étrangère parce que de temps en temps, mon a victime en d'un pays, hein. Gagné environ 4 monde qui perdu la vie, alors que yon petit bus qui t'a essayé de traverser zone, là, dans le moment que Benzio t'a tiré coup de zam sous lit, et il était al tombé 4 caoutchoucs en l'air, ça a été la cause, plus parce que 4 monde perdu la vie, en d'un petit bus, ça. Chauffeur ça, t'es prend une balle dans la tête, et puis, coup marché dans t'es al tombé, j'en doule avec 4 caoutchoucs devant en l'air, ça a la cause, plusieurs monde mourir, et parmi eux, chauffeur à nous qui prend une balle dans la tête dans la zone Martissan. Alors que dans plusieurs autres côtés encore, dans Delma 69, gagné avocat maître Robinson Pierre-Louis, lui-même qui c'est avocat dans barre Robertson Pierre-Louis, pardon, qui c'est Robertson lui, qui c'est avocat dans barre Port-au-Prince, lui-même tout, qui a travaillé dans l'Office national de l'assurance VS, qui a assassiné samedi passé, hein, dans Delma 69, alors que les autres font une transaction, bon côté, et non, banque dans la capitale pays, Port-au-Prince. L'autre côté encore, gagné plusieurs monde qui mourir, parce que c'est 3 monde qui mourit dans zone Crissois, alors que tu as gagné. Et, il a fait une transaction, la banque, il y a deux agents de sécurité, et qui a travaillé dans Delma 2000, il a même tout, il a perdu la vie, dans Zak Banditis qui a fait, dans zone Crissois, et dans Balaville, là, tout, dans zone, oui, dans zone Grand Rouyan, il y a des gens qui perdent la vie autour. C'est d'après information qui sortit dans zone là, il y a deux personnes, deux gens qui ont mouru dans zone de Balaville dimanche dans Rue des Miracles. D'après juge de paix James Saint-Jean, lui-même qui a procédé à constat Corio dans zone avenue Christophe, il y a Estainville-Bélizère, lui-même qui recevait plusieurs projectiles dans le niveau thoraxie et quoi il a la prend soin dans l'hôpital, dans la capitale pays en Port-au-Prince. Mais la police a pas arrêté de bois croisé. La police a gagné blindé la police nationale qui possède devant bâtiment vide sous commissariat Martissan de façon à ce que pour protéger l'occasion contre l'autre attaque que Bandio capable de faire dans la zone. Dans l'échange de tigres, la police avec gang armée, a dimanche, il y a un agent Simo qui fait blessé et un civil lui-même qui touchait par balle. D'après d'autres informations, t'as fait quoi? Il y a plusieurs non Bandio qui tombaient en bas balle. La police dans zone Martissan. Bandi Martissan yo t'a essayé récupérer un véhicule Prado que la police nationale d'Haïti t'a intercepté dans dernière attaque que t'a fait sous commissariat zone là. Pour moment ça, yo la police tenue en échec malgré plusieurs tentatives yo faire pour être capable d'attaquer la police. Donc dans toute zone là quoi elle est là, c'est gros tension qui gagne, coup de sam cap chanté entre la police avec Bandi dans zone Martissan, qui prend zone ça, l'argent content, depuis le commencement, mois juin 2021, côté un pile monde, déjà perdu la vie, un pile monde, amis auditeurs, et gagne mon amour, même ces chiens, à cochon, cap banzé, dans zone Martissan, avec Fontamara, ou qu'on est, gagne un pile là-dedans, t'es déjà quitté, et zone Martissan, qui t'a réfugié dans centre d'accueil Carrefour, là. Il y aurait plus passé 800 familles qui tapent, qui étaient dans centre d'accueil Carrefour, hein, capitaine, l'assistance, et pouvoir en place là. Mais dans la zone 14 à 15 juin 2021, nous sommes les présidents, défunt président Jovenel Moïse, ils ont fait voyage dans Turquie. C'est là ça a été pensé ensemble avec population dans la zone Martissan. Il a été annoncé que pour le montant task force qui a proposé de plusieurs ministères qui pourraient faire intervention. Et comme de fait, environ 6 jours après, le ministère ça a porté placho pour Mounio dans la zone Martissan. Et jusqu'à présent, il n'y a pas fait un canadien pour Mounio capable ou retourner la caillou. C'est même situation que t'es gagné en bas la ville dans la zone Delma 2, côté un pile monde t'es obligé de quitter la caillou pour y aller réfugier yo dans l'église Saint-Yves dans Port-au-Prince à cause bandit armé t'es pris en zone là pour l'argent comptant côté la petite cousine dans tout mois de juin, côté monde t'es obligé d'abandonner dans la zone là. Gagné yon centre qui t'es gagné un monde qui est handicapé, monde qui soude, la donne yon tout obligé courir quitter zone ça yo pour y aller dans la zone Saint-Yves et gagné la donne qui montait dans local, dans ancien, local côté
cimetière Pétionville enterré dans Delma 95. Donc c'est une situation tendue gagnée dans la zone métropolitaine à partir de beaucoup d'âmes qui a chanté tribord et pas bord. Donc il y a plusieurs monde qui déjà fait voile pour payer son chapeau en bas main bandit dans la capitale pays Port-au-Prince. Toujours dans sa gare avec les assassinats qui fait en dans pays d'Haïti, gagné Amnesty International qui m'a dit pour compte mener enquête sous assassinat qui fait contre Diego Charles avec Antoinette Duclerc. Donc famille journaliste Diego Charles avec militante Antoinette Duclerc, ils tous les deux qui ont été assassinés en date 29 pour arriver 30 juin 2021. Donc eux-mêmes famille journaliste Diego Charles avec un militant Antoinette Duclerc, yo tous les deux qui ont été assassinés, yo connia après avoir un pile menace de mort avec intimidation, yo t'a dû protégé par autorité haïtienne. D'après ça, Amnesty International déclaré dans date 6 août 2021 qui mandé pour une enquête qui fait sous assassinat yo capable arriver dans bout li. Dans carreau qui entouré assassinat président Jovenel Moïse là, criminalité violente endémique et crise droits humains qui a frappé pays d'Haïti, journaliste et défenseur droits moun yo, yo viennent de plus en plus attaqués par bandits. Proche avec confident Diego Charles et Antoinette Duclerc déclaré bah, Amnesty International que a recevoir tous les deux familles de menaces avant que assassiné et que eux-mêmes yo désormais victime à intimidation parce que yo adressé à autorité yo assuré il faut que yo assure protection famille qui nan deuil famille moun ki mouri yo Diego Charles avec Antoinette Duclerc qui continuer à réclamer justice pour famille yo témoin yo doit sentir libre pour parler avec la police sans aucune intimidation d'après ça Erika Guevara Rosas qui c'est directrice programme Amérique là dans Amnesty International autorité haïtienne yo doit mener une enquête approfondie sous meurtre qui a fait soumettre 100 fois ça qui commettre sous Diego Charles et Antoinette Duclerc. Yo même qui sans doute yo prend au possible parce que y a défendre droit monde et y a cherché yo t'a cherché la vérité en dans pays d'Haïti. La police autorité haïtienne doit faire davantage pour garantir sécurité journalistes yo militants et défenseurs droit moun yo qui exposé en pile avec à de très grands risques uniquement parce que seulement il a fait travail et a exercé liberté d'expression. Diego Charles, son journaliste Radio Vision 2000, il travaillait pour site internet La République Magazine et qu'il était fondé dans tête collée ensemble avec Antoinette Duclerc. Dernière semaine ça famille avec amis et Moun Sayo, particulièrement Antoinette Duclerc et Olenetti, et qui sont militantes politiques et avec un défenseur droit moun, yo pas hésité pour critiquer ouvertement gouvernement haïtien et membres mouvement opposition yo, Matrice Libération, tous les deux, yo même yo menacé de mort avant même que yo était menacé de mort avant que yo était assassiné. De corps yo, yo était autopsié yo selon famille, yo était fait autopsie pour yo selon rapport autopsie, la police est jusqu'à présent pour capable terminer, qui pourra terminer et pour capable remettre jusqu'à présent rapport autopsie par autorité judiciaire. Intimidation contre famille Duclerc avec Charles ensemble avec témoin, c'est ça qui a fait quoi il est là. Amnesty International va examiner rapport au officier de police judiciaire qui indique que Diego Charles te recevoir 2 balles alors que Antoinette Duclerc lui-même il te recevoir 7 notamment dans tête. Tous les deux yo même te gain l'âge 33 ans yo te tué yo détruit par des assassins qui étaient armés qui pas identifié qui d'après sécurité à moto devant domicile Diego Charles dans quartier Crissois dans Port-au-Prince. Antoinette Duclerc lui-même était touché alors que il était chita dans machine et Diego Charles lui-même était tué alors qu'il t'a entré la caille après elle était fin sorti dans véhicule qu'elle t'a parlé ensemble avec Antoinette Duclerc. Témoin, gros témoin qui déclarait pour Amnesty International, que attendait, yon, petit coup d'échange, parole qui t'a parlé, un victime, là, avec assaillant, yo. Et notamment, yo t'attendait Antoinette Duclerc, qui a crié non, non, pas tirer sur nous.
Et le 30 juin, assaillants ont été tirés en l'air devant maison Diego Chaland, scène crime, ainsi que devant domicile Antoine Duclair, côté famille Axamil t'a pleuré en pile départ de jeunes ayo. Membre famille, avec monde qui dans quartier, déclaré que coup de feu ont été visé clairement pour être intimidé après capable faire pas témoigner pour pas parler de attaque ça qui faite contre deux citoyens sa yo. Amnesty International qui t'a interrogé, qui t'a posé question à neuf monde et particulièrement famille avec collègues de victimes yo, quoique ainsi que deux membres de la société civile là avec l'autre témoin gain moun sa yo était inquiet sous sécurité yo, et yo pensé que risquer pour ta risquer même subi des représailles en bas mes bandits yo. Fred Duclair qui se frère Antoinette lui racontait que famille était déjà cible de plusieurs menaces ak intimidation dans dernier mois sa yo, notamment une fusillade qui a été faite contre Kay famille dans le 23 février 2021 et Antoinette Duclair dans moment ça lui dormi régulièrement dans endroit différent pour le capable détourner attention bandio depuis décembre 2020. Il indique plus loin que même après meurtre Neti, il continue à prêler au téléphone pour dire que il a pour retourner encore, il pourquoi ouais rien dans sa gueule pour pire dans jour cabinet. Fred Duclair ajouté que il pas en confiance du tout dans la police là, que la police capable mener une enquête, il exprimé dans terme ça surtout au sujet autorité. Il dit que moi pas faire confiance et moi pas croire du tout dans ça y a dit. Yo pa gen anken volonté pour faire quoi que ce soit. Système judiciaire là dans pays d'Haïti est très faible et li pa gen assez de ressources pour assurer suivi enquête là. Marie Samuel Charles qui est sœur Diego Charles lui-même li déclaré bon côté parler que li t'a même bien remarqué que autorité découvrir ça qui t'est passé exactement dans la nuit 29 ou 30 juin 2021. Frère li qui gen 33 ans, li t'a tenté faire tout ça li capable pour aider société hein. Et mais yon moun sa yo te vin tuye li. Li travay dur pou li même et te vle ta me konnen sa k te rive et pou ki sa yo ta tuye frère li Diego Charles. Nou tap li pou yon rapport Amnesty International ki mande pour que l'état haïtien garanti sécurité famille Duclair avec famille Diego Charles qui était mort assassiné ou connait une semaine avant assassinat président haïtien Jovenel Moïse qui même été assassiné dans date 29 ou 30 juin 2021 dans quartier Christroi dans capitale pays Port-au-Prince. N'a bousqué avec information pour n'a besoin d'un tribunal première instance par le presse là. Maître Bernard Saint-Ville fait qu'on ait un choix juge qui parle bien pour faire instruction de cet assassinat. Ancien président haïtien Jovenel Moïse là, pratiquita sous spécialité avec expérience juge si là. Maître Saint-Ville poté un démenti formel sur information qui t'a fait courir t'a gagné trois juges qui t'a refusé instruit dossier d'un mort ancien chef l'État haïtien. Dans ce sens, nous invitons à écouter juge Bernard Saint-Ville. Dossier et assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là. Hier après-midi, parquet et acheminé dossier ici à notre cabinet d'instruction avec réquisitoire déformé. On dépasse en revue ensemble des juges qui gagnent, on a regardé en fonction de l'expérience qu'on a, spécialité li. Pour nous, qui est-ce dans le juge? Mais nous parlons avec plusieurs juges d'instruction. On passe après-midi ou demain matin, non juge qui a bien la connu. On est capable de connaître qui juge qui parle à partir de semaine prochaine, responsable enquête là. On ne peut pas dire juge refusé. Doyen aller la voie et dossier bas juge, il pas gagné pour le mandat de juge la ville sur dossier la voie bas. Et on juge ou prête serment pour observer constitution, pour appliquer dans l'exercice fonction, loi en vigueur et pour comportement digne et loyal magistrat. Et puis premier bagage qui doit caractériser un magistrat, c'est courage. Et là, juge, il faut qu'on prenne une décision. Nous pas gagné pour nous contacter bien juge pour nous parler avec lui, pour nous dire n'a voie tel dossier bas, n'a pas voie tel dossier. Mais bon dossier capable de particularité là-dedans, nous pouvons demander des moyens spéciaux pour juger. C'est ça que nous avons fait depuis hier. Nous avons fait réunion avec plusieurs autorités pour nous demander premier bagage. Nous connaissons par la justice là, son espace nous va dire sécurisé à 100%. Premier bagage, nous demandons moyens pour juger la sécuriser dossier, pièce à conviction, corps du délit, tout ça. Nous demandons moyens tout pour juger au déplacer. Parce qu'on dossier comme ça, nous connaissons qu'il y a des moyens spéciaux. Nous demandons tout, il faut nous, agents de sécurité qui parlent.
affectés à la sécurité personnelle juive là. C'est des moyens qu'on m'a développé au niveau de l'État avec l'autorité pour nous faire juge là. Elle dit avant même, nous dit, mais qui juge que nous avons dossier, il faut qu'au moins moyen ça soit déjà là. Et puis pour nous mettre à disposition juge là, pour juger là-bas dans la rue, pour contrer côté, n'importe quoi capable de vivre. En gros, c'est ça, on était tout parlé dans la réunion. On dit, mais qui démarche moi-même, moi fait depuis hier après-midi le dossier là même. Nous avons souhaité le plus rapidement possible que moyen ça soit à la disposition nous comme doyen, pour nous capables de mettre nos juges là d'ailleurs. Mais nous y plusieurs dans notre tête, nous. Même passé, au plus tard, fin journée là, au 22 matin, tout le monde a connu qui juge qui vient de serre de même. Au top côté, juge Bernard Saint-Ville, qui se doit un tribunal la première instance à Port-au-Prince, qui a annoncé, sous peu, nous parlons connaît qui juge, et va le choisir, qui pral instruit dossier, enquête, ancien président haïtien, Jovenel Moïse, dit fait quoi que y a chita sous spécialité avec expérience jugement avant que yo confie li pour ça faire bal j'ai des moyens sécuritaires qui permettent li capable mener à bien dossier ça. En tout temps, l'ancien président chambre député haïtien Gary Bodo qui fait quoi que dit ça important pour que t'a confié enquête là à un collège de 5 juges d'instruction yo même qui pour t'a instruit dossier assassinat, enquête sous assassinat défunt président haïtien Jovenel Moïse, d'après parole Gary Bodo fait pendant week-end. N'a bien pour nous tourner à déclaration ça. Mais nous parler de l'autre côté pour nous combattre organisation populaire dénoncer le fait qu'il a utilisé le mot ancien président haïtien Jovenel Moïse pour faire persécution politique. Le Jemérilien, bah, comme exemple, quand il était mandat amené, qui a placé Tribord et Babord, pendant les critiquer quelques acteurs qui voulaient à une élection avec un gouvernement PHTK. Dans ce sens, nous invitons à écouter José Mérilien. Dénoncer l'utilisation politique qu'a fait de l'assassinat de Jovenel Moïse, côté pouvoir servir avec le commissaire gouvernement pour voir un mandat bail une série de citoyens qui ne sont pas comme ce qu'avec. Donc, nous avons l'impression qu'ils ont choisi de quitter le suspect et puis pour prendre des gens qui pas gagné d'aller trop relation à ce fait là, justement, pour arriver à intimider les acteurs politiques qui sont capables de faire des choses. Pour arriver à faire que les acteurs qui ont tué dans Bouillot, qui ont quitté le terrain Bouillot, qui ont gauché en libre, pour faire élection Bouillot, pour renouveler les PHTK dans le pays encore. C'est l'objectif de dire ça, c'est de bouiller le président tout, pour que pas de véritable effet sur ce qui s'est passé là, et que le véritable coupable, nous ne pouvons pas connaître. Donc, nous pensons que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas correct, et nous, les populations, les fait grimper contre la pratique là, contre la stratégie là, qui a fait pour persécuter. Des mouns qui pas dans le même camp politique avec le pouvoir qui est là. Gagner des mouns qui placent pour des bâches de sécurité. Nous, avec le chef de la police, là, a marché libre, alors que les gagnés pour la sécurité, Jovenel. Ce que tout le monde, c'est le Jovenel. Si nous sommes corrects, le même jour, il est démissionné parce qu'il faillit à mission comme moun qui doit assurer la sécurité. Mais au lieu de demander d'arrestation, bâche, chef de la police, là, nous, avec ses pasteurs, ses citoyens, dans la partie politique qui a voué mandat bail sous question de pression rupture. Si nous remarquons, peuple là, orienté gouvernement là vers une rupture. Rupture avec un état corrompu, un état désessoussé. Rupture avec une société mirobiba, côté petit groupe qui tout pour eux, qui va jouer bien dans la misère. Peuple a dit, ben ça, il dit, c'est chaque jour, il va la donner. Mais je veux dire, nous voyons que dans pile acteur qui a porté question de pression rupture, tout le coup, sous pression blanc, ils ont viré, ils ont dit que ils vont pression rupture encore. C'est l'élection, vous voyez, c'est blanc, ça blanc, blanc, blé. Nous pensons que, je nous dis, ça peut être la mandouille, c'est une défaite, une structure. Et, à ce sujet-là, les gens qui ont dit que c'est une structure, c'est vous qui veulent imposer nous des partisans, ça pour vous pouvez continuer avec les PHTK. Combien de rien moins, et 10 peuples là, veillez en haut, veillez en bas, pour nous ne pas quitter aucun acte politique tête en bas, pas au but, fini, imposer nous, ça que nous avons fait. On a écouté José Mérilien, lui-même, qui t'a réagi sur la situation pays, quand il fait quoi que, il dénonçait sa situation qu'a fait dans le pays, quand il a utilisé le bon ancien président Jovenel Moïse pour t'a faire persécution politique et condamner tout le monde qui croit vle, qu'il est là pour que l'élection capable d'organiser un dans le pays d'Haïti.
Dans le dossier politique, non, Ariel Henry pour mettre pays, hein. Ariel Henry, pour mettre pays d'Haïti. C'est déclaration André Michel, dans le secteur démocratique et populaire, qui a plaidé pour un exécutif à deux têtes pendant l'annonce des gauche et qu'a fait pour arriver à joindre en dans le secteur démocratique et populaire. Un accord politique pour sortir dans la crise, pour sortir Haïti dans la crise, il troupelle, je veux dire, André Michel. Avant, il m'attendait, monsieur Ariel Henry, qui dit que, bon, et pas de président, c'est premier ministre qui a bien. Mais pour qu'on connaisse, ça qu'a décidé. Ariel Henry n'est pas le maître du pays. La communauté internationale qui a supporté, c'est pas le maître du pays. Si bon consensus viable qui dégageait, consensus là, pour obliger à appliquer. Moi, c'est que, vous posez une question fondamentale. Et sans barrer qui est important dans la politique, question timing, question côté dynamique politique là. Le Jovenel Moïse, président de facto, qui a un mandat fini depuis 7 février 2021, proposé Ariel Henry. Alors, faut que moi dire, nous tous, nous connaissons Ariel Henry. Ariel Henry, pas de jambes, on est qui au devant de la scène. C'était toujours un homme d'appareil. On est dans le style Dominique de Villepin. On comprend qu'il ne peut pas parler fort, une parole devant, mais qui était toujours dans la politique. Il y a un qui pensait le pas dans la politique, c'est faux. Le Ariel Henry, il a choisi, premier ça le fait, laisser entrer en contact avec le secteur démocratique. Il dit non pour nous participer dans le gouvernement. Nous dit négatif. Pas bien aucune possibilité pour nous participer dans le gouvernement avec Jovenel Moïse. C'est un sacrilège. Parce que Jovenel Moïse mandat fini depuis 7 février 2021. Jovenel Moïse est impliqué dans le massacre La Saline, Belle et Cité Soleil. C'est lui-même qui bloquait enquête sous assassinat et bâtonnier d'Orval. Alors, nous t'ai dit, Ariel Henry, c'est pas la peine, nous pas même capable de rencontrer, participer dans le gouvernement avec lui, parce que nous pas dans aucun gouvernement avec Jovenel Moïse comme président. Nous pas la donne, c'est contraire à la ligne du secteur démocratique et populaire. 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été exécuté. Qu'on y a là, nous n'ont logique de recherche d'un accord politique largement large. Nous parler avec Ariel Henry, nous dire, pour nous ou pas premier ministre, parce que pour un premier ministre, il faut qu'un consensus politique assorti d'un accord politique qui permette premier ministre. Et deux, nous pas dans exécutif monocéphale là nous-mêmes, nous pour exécutif bicéphale, président, premier ministre. Mais nous parlons avec tout le monde. Maintenant, Ariel Henry lui-même, ça me comprend. Étant donné qu'on est un gain blanc, qui a supporté la communauté internationale, gros blanc et vert, eh bien, monsieur doit comprendre que il y a un contrôle situation. Et m'a dit à monsieur Ariel Henry, et m'a dit communauté internationale là, attention, la crise reste entière, le problème politique n'est pas encore réglé, il y a des consultations qui continuent à faire, et depuis qu'on solution nationale qui sortit, c'est cette solution qui sera. On a écouté porte-parole secteur démocratique et populaire, M. André Michel, et n'a pas allé dans dossier, n'a toujours été dans le même dossier, en bonne force opposition. Nord à fond, qui regroupe ensemble organisation de base dans OCAP, dans conférence pour la presse web dans le week-end, dénoncé comportement premier ministre haïtien Ariel Henry avec communauté internationale là, qui implique dans l'instabilité politique en dans le pays d'Haïti. D'après votre parole à fond, Jacques Wilson Jean, pays adoué, gagne un président provisoire pour permettre prisonniers politiques capables de jouer une libération et puis faciliter le pays d'Haïti, prendre route, changement, acte développement. Jean-Claude Geoffroy, c'est correspondant à la pyramide dans métropole Nord, à bout de précision. Force opposition Nord, qui vient de jouer, font estomaquer contre Premier ministre Ariel Henry et la communauté internationale là, li accusé comme quoi ou ta fait Haïti tounen bien privé yo. Yon nan porte-voix estrictissa, Jacques Wilson Jean, plus en colère le fait en PM Henry et étranger yo pas respecté d'après lui, maman loi pays ya qui exigeait yon exécutif ak deux têtes qui donc yon président ak yon premier ministre. Jacques Wilson Jean. Les nous considérer, jeudi a fait 28 jours, depuis pays a pas de président en tête li, ni un premier ministre constitutionnel, et bien n'a rappelé pour communauté internationale là, constitution reconnaître yon exécutif bicéphale. Li prévoit yon président ak yon premier ministre, et puis monter yon cabinet ministériel pour diriger pays a nan estabilité. Eh bien, font appeler voile bien ou pour le dire, c'est trop à tort. Comme ça, trop dilatoire fait dans le pays. Pendant prisonniers politiques, nous yon, toujours accroupis dans la prison. Nous voulons parler à Nel Belize, Kilik Babas, Abelson Goneg, Koutoua Renal, Maxime et camarade Apollo nous gagnent dans ville au Cap. Font décider pour te coller dans le projet Joseph Lambert pour une président pays. Qui joignent plusieurs forces politiques à Crestier Sénat comme celle 10 Green et li pays a gagné. Pendant tout, Front dit, li pa pral bay mouche Lambert un chèque en blanc. La prêté attaché avec revendication massio. Tant coup pour Saint-Pétro-Caribé,
tant que libération tout prisonnier politique, tant que justice tout massacre qui fait dans le pays. Activiste politique là souhaitait quand même nouveau président qui va choisir pour gérer transition doit chercher rassembler tout secteur dans vie nationale là pour gagner un consensus largement large qui trouver pour vrai problème masse peuple là qu'a commencé joindre solution depuis Cap Haïtien Jean-Claude Geffroire Pyramide FM. Merci Jean-Claude Geffran. Nous allons parler de ces corruptions. Nous allons battre contre la corruption à continuer dans le pays d'Haïti. D'après organisation nous conscients dans Petro Challenger. Qui était quoi que pas gain aucun accord politique qui possible dans le pays d'Haïti si toutes les fois il pas prendre en compte dans plusieurs dossiers corruption que le pays a connu dans dernière année ça. Eben Skade. Nous conscients comme structure de Petro Challenger prend naissance dans le contexte de mouvance de bataille contre la corruption, particulièrement lutte pour un procès Petro-Caribé équitable. Et que dynamique bataille ça, nous pas quitter la route. Et c'est parce que nous pas quitter la route qui fait nous dire, je dis à aucun accord politique pas possible sans un procès Petro-Caribé à pas la donne. Aucun accord politique pas possible sans procès ensemble de massacre, contrairement à de l'autre monde qui pensait autrement. Aucun accord politique pas possible sans procès ensemble de cas de corruption d'un pays. Dermalog, Sofida, etc. Folklin, dans tête tout le monde, et que bataille contre corruption, on a continué. Et c'est parce que dans la logique bataille contre corruption qui fait que, bon dossier, qu'il y a ensemble avec le ministère éducation nationale, nous prenons la cœur. Même si nous avons demandé, faut qu'on dit général qui fait sur l'administration PHTK dans la véritable transition. Mais rapidement, nous prenons les devants par rapport à Fonds national de l'éducation. Fonds national de l'éducation, c'est un fonds que PHTK a institué de manière arbitraire en 2014. Il y aura des outils légaux par la suite. Et malgré recommandations, ensemble d'organisations de la société civile, il n'y a pas tant de parlement voté. Et que je dis à Fonds national d'éducation, c'est des millions de dollars à prendre sur l'ensemble de l'argent transfert diaspora, vous voyez, particulièrement. Et que malgré la présence des millions de dollars, ça y est, éducation, parce qu'on est en situation de crise. Élèves dans la rue, enseignants dans la rue, problème sérieux. Quatre débits au promettre enseignants, ça n'a pas fait, soit agir, particulièrement malgré fonds là. Et la clameur publique dit, fonds ça, c'est pas bout de ça qui a porté l'argent à Genoa. À l'époque, à porter l'argent dans le palais national pour conserver Jobli. Et c'est dans ce sens ça. Par rapport à tout flou qui gagne sous question, hein, nous adresser directement une lettre par M. Hans Joseph, qui est directeur ULCC, malgré nous qui rapport qui développe entre les PHTK. Mais son institution, nous dit Foyo, diligenter enquête administrative pressée pour avoir résultat pour garder 2 millions de dollars que Diaspora a prédit en bas la neige. Il y a plein souillon dans le pays, pour diligenter enquête ça, pour garder côté comme ça passé. Et c'est extrêmement fondamental. Et le dossier ça, n'a continué bataille pour lui. Il est clair que bataille contre corruption n'a continué mener. Et aucun accord politique pas possible en même temps, sans que ça n'était capable de les prisonniers politiques, pas de libération pour eux. Et c'est peut-être ça, nous conscients, appuyer Sitine qui a fait devant le ministère de la justice là, joue le 10 à 18 tapant. Nous appuyons et nous invitons tout le monde pour te coller parce que je dis à côté, il y a un dirigeant et organisation nous conscients qui est une base Petro Challenger qui croit que pas aucun accord politique qui possible parce qu'il pas prendre en compte plusieurs dossiers de corruption que pays d'Haïti connaît dans dernier temps ça. Donc n'a pas parlé de inflation pour d'autres inflation établi à 12.7% dans le mois de juin qui s'est passé là, ça qui représente une baisse de moitié par rapport à le mois de juin 2021, selon chiffre Institut Haïtien Statistique et Informatique indiqué en finissement mois de juin 2021. Et Dominique Germain, c'est économiste en pays d'Haïti, lui a analysé la situation ça. En écoutez. Normalement, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin 2021 est en baisse par rapport au mois de juin 2020. Parce que, faut pas oublier, non, les dernières informations disponibles concernaient le mois de juin 2021. Mais c'est pour qui ça, un glissement annuel 12.7%. Autrement dit, il y a une baisse en glissement annuel. Qui ça t'explique mais ça, c'est que l'année dernière, en juin de l'année dernière, vous songez ça qui s'est passé dans le pays en termes de taux de change. C'est-à-dire que vous t'es gagné, si vous voulez,
on hausse pratiquement inexplicable du taux de change qui t'apprend le baisser tout de manière non explicable économiquement soulevé par la Banque centrale à l'aide d'un ensemble d'interventions. La baisse du taux de change, il n'y participe soulevé à fort inflation ça, moins que au te gain en juin 2020. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément, on sont juste activés en termes sanitaires. C'est-à-dire que coronavirus qui était provoqué un double choc de l'offre et de la demande, c'est bien l'idée provoqué tout soulevé à augmentation des prix dans l'économie. Donc, on prend deux facteurs. Ça, je voulais dire que l'année dernière, l'inflation était de loin en hausse par rapport à ça, aujourd'hui. Mais, moi, c'est donc que, en glissement annuel, on constate une baisse, c'est vrai, mais en glissement mensuel, eh bien, l'inflation lui-même, il continue à accélérer. Autrement dit, l'indice de prix à la consommation au mois de mai 2021, eh bien, il est inférieur par rapport à ça, en juin. Donc, en juin, prix a augmenté de 1,3% par rapport à ça, en mai. Qui t'a expliqué ça? C'est toute incertitude qui vient à l'économie, notamment incertitude politique. Après la mort Jovenel, pratiquement, ou bien même avant la mort Jovenel, la crise politique était toujours à son plus haut niveau dans le pays. L'incertitude était à son plus haut niveau dans le pays. Et deuxièmement, la situation qui est liée à coronavirus, notamment et variante Delta, justement, l'y participer à créer un ensemble d'incertitudes qui participer à expliquer, si vous voulez, cette augmentation. Et mais cette augmentation timide, mais l'augmentation quand même de l'indice des prix à la consommation qui voulait dire que je dis à l'économie, hein, toutes choses égales par ailleurs, prix au de loin beaucoup plus élevé que ça au TIE pratiquement et bien, au mois de mai 2021. Mais maintenant, bon, l'autre élément, je pense que c'est extrêmement important, Xavier, pour nous souligner, c'est que si l'inflation, un glissement annuel, l'inflation globale, c'est 12,7%, mais pas oublier, il y a un secteur où les secteurs santé sont des biens, l'inflation par là, c'est 22,1%. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est un ensemble de biens qui est pour la question santé, c'est-à-dire un ensemble de médicaments qu'on a acheté, ou bien des services de santé, par exemple, des services de santé que des cliniques, des hôpitaux payent, pas gain absolument aucun contrôle sur eux. Je veux dire que, dans le niveau ça, dans le secteur ça, prior pas jamais suspendre monter. Et moi, m'avons nous connaît que c'est un secteur, justement, qui passe sous aucun contrôle. Et c'est lié, la dernière, prio augmenté de loin, beaucoup plus supérieur par rapport à sa liée en moyenne. Et ça, c'est pas aujourd'hui, à l'idée de plusieurs années, côté que secteur santé a pris la dernière, il augmenté sans aucun contrôle. On a écouté l'économiste haïtien, Énomie Germain, qui t'a parlé sous taux inflation, hein, qui en baisse partout, dans le mois de juin, comparé à mois de juin 2020. Donc, n'a pas aller pour vous, dans dossier, n'a pas eu d'économie toujours. N'a pas eu qu'il y a une banque centrale qui investit, ou encore qui mettait injecté dans l'économie haïtienne, en plus, passer 15 millions de dollars pour capable de contrecarrer taux de changement qui a par le terrain, quoi, il est là, dans le pays d'Haïti. Mais n'a pas eu pour vous, dans le rapport que la banque centrale te mettait dehors, dans le mois de juin 2021, fait quoi que le pays a enregistré un déficit budgétaire sur trois mois, trimestre avril, mai, juin, de 40 milliards de goudes. Banque centrale qui est obligé à renflouer qu'est-ce l'État haïtien pour que soit capable de continuer Kembe. Nous allons parler de ces pestes porcines africaines après maladie cochon ça qui a ravagé la République dominicaine et qui menaçait pour arriver sur nous dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, il y a un comité qui a été campé pour capable combattre les pestes porcines en Haïti. C'est annonce ça que le ministre de l'Agriculture, Charles Bredi, a fait connaître qu'il y a une équipe technicienne qui est en travail pendant les souligner. Pour gagner aucun cas, peste porcine africaine qui dans le pays d'Haïti, quoi il est là. Charles Bredi, c'est ministre de l'Agriculture à ressources naturelles. Pour diagnostiquer présence maladie dans le pays d'Haïti, moi je voulais faire la population connaître. Peste porcine africaine, ce n'est pas une maladie qui a attrapé, mais il a causé un pile de dégâts pour élever. Parce que donc on est sa cochon représenté en termes d'économie pour eux. Dans ce sens, nous voulons rassurer la population que le gouvernement en général et le ministère de l'Agriculture en particulier ont commencé à prendre bonne décision pour faire face carré à gros menaces. Le ministère a été mobilisé tout système technique qui a compétence dans le domaine pour rapidement augmenter le contrôle sous fond. Cherchez vérifier si maladie a pour co-attaquer cochon en pays d'Haïti. PM Ariel Henry,
réunis déjà avec membres gouvernement pour garder ensemble qui plus gros décision qui capable prendre pour soutenir le ministère de l'agriculture combattre ça ça de fait parmi les décisions il y a une commission interministérielle qui fait qui mettait sous pied et qui gagne la donne tout notre ministère se dit là collectivité territoriale accès sécurité publique affaires étrangères m'a demandé population pour yo pas paniquer rester vigilant à tout message qui vient pour venir après dans cadre communication ak mobilisation qui commence à faire dans le ministère de l'Agriculture, nous avons déjà fait plusieurs séances de travail sur l'intervention qui nous fait. C'est comme ça. Moi, j'ai gagné avec moi. Il y a un staff technique, c'est des spécialistes qui travaillent, qui travaillent dans affaires PPA. PPA, c'est peste porcine africaine. C'est maladie ça, qui sont fièvres, qui attaquent les cochons du côté de la République dominicaine. Donc, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous pouvons détecter maladie. Bon, ici, maman des populations, était prêt à parcourir, tendre n'importe information pour nous paniquer. Dans le cadre de communication qui commençait, faite par le ministère de l'Agriculture, nous avons déjà fait plusieurs séances de travail. Le ministère de l'Agriculture comptait sous participation tout le monde pour nous capables de arriver, limiter dégâts, limiter tout d'abord détecter maladie à peste là-bas ici, s'il t'a déjà rentré pour nous contrôler et s'il peut rentrer pour nous arriver contrôler. Puis l'organisation politique dénoncée et le fait qu'il a utilisé le mot ancien président haïtien Jovenel Moïse pour faire persécution politique, José Mérilien Baye, comme exemple, quantité mandat d'amené cap lancé tribord par bord en dans le pays. Ariel Henry permet pays d'Haïti, déclaration André Michel qui a plaidé pour un exécutif à deux têtes pendant qu'il a annoncé que le gouvernement a fait pour joindre un accord politique dans le secteur démocratique à populaire pour être capable de sortir Haïti dans la crise de aujourd'hui. Fonds, organisation Nord, ils ont plaidé pour que gagne un exécutif également à deux têtes qui prend pays d'Haïti. Dossier peste porcine africaine, un comité de campé pour capable combattre peste porcine dans le pays d'Haïti. C'est annonce ministre agriculture, Charles Aubry, te fait pendant le week-end, fait quoi que gagne une équipe technicien qui est en travail pendant souligner pour gagner en quel cas peste porcine africaine dans le pays d'Haïti. Alors, quand il y a un peu de monde qui a plein, au niveau de ce qui est on a plein, motocyclette trop, machine trop, et c'est même rien, on a plein en pile. Quand il y a un peu de monde rencontré, qui a laissé ma carte pour prendre à l'étranger, là où mon cher a dit qu'il est content de nous, et il a dit que, comme disait Bouyo, maïstra, faut que nous fassions un genre. Moi, je me dis, et dirigeant mairie au Carafé parce que l'aime son geste max tout ça déjà qui était environ 50 à 60 000 monde 84 85 on a nous presque dans demi million monde dans villa et même pas villa et si les l'époque dans ville ma pour on se débagaille et gon se tête monde pas côté c'est pour que c'est pas encore nous construit dans tête monde net tellement bagaille espace dans villa nous prend tête monde net li mettre de la série. L'immense, c'était Blocos, Blocos Afimal, et pour la guêpe, pour y a une zone, et charrette, nous commençons à prendre mon, la charrette, nous commençons à prendre, et sous mon fort, et nous prenons Bolivie, mon cher, là, de tout le monde net, nous commençons à bâtir. Mais je dis, c'est ma 85, 86, 87, jusqu'à 90, c'est donc belle époque, oui. Et, j'ai des côtés, par exemple, j'ai des côtés vendre livres, j'ai des côtés pour nous rencontrer, j'ai une série de bars, moi j'ai des belles bagailles. Si par exemple, on a compris un pilon ancien mon capteur de là, soit à l'étranger. Si l'on est, on a l'arrière, on a des bruits motocyclettes, maintenant, on est obligé de descendre vite, et on a l'arrière, même si on est l'arrière, on a des petits bruits, et c'est bruit l'arrière, bruit motocyclettes, qui ont attendu là. Et si les gars ont été horizontal, ça est pour mon ancien, oui. Horizontal qui était sous grand rue. Après, c'est comme si c'était les frites. Ils ont dit, monsieur, en italien, monsieur, les cheveux noir. Et c'est monsieur qui était mettre horizontal, côté mon tour dans la chita, à manger, boire, garder télévision. Et puis, prends un livre pour lire. Pendant qu'on mange, on lit que dans un mot à plier. On lit après ça. Voilà, bah, belle barre, bah, elle est classe. Bah, elle est en vie, moi-même. Les messieurs, pas là encore.
Pourquoi ça vous fait avec elle, celui dis-nous. Je vais mettre un mot, ça c'est des bons moments dans la vie, c'est des bons moments dans la vie là, mais génération ça va être là. Par contre ça m'a bien là, c'est ancien. Déjà vous on apprend hein. C'est bien c'est pas c'est moi. Ancien, c'est pas moi. Guiliano c'est facile. Et nèg bâton on connaît même tout. Mais Julien Rochel pas connaît. Bah sûr que Julien Rochel la combat. Yo ka dire ça, yo ka expliquer ça. Julien Rochel pas connaît. Pas connaît bagaille ça. Donc c'est des belles moments, belle époque et non c'était ni ça et ça gère. Si lui commence à répondre ma science, soleil a levé et lui commence à faire un petit chalet. Hier soir, il s'est fait chalet, mais la pluie a tombé, la pluie a fait un serein, la pluie a pas tombé. Donc ça, au gars ouais, il vient augmenter quantité chalet que gain dans ville hier soir à cause de la pluie qui paraît et puis la pluie elle-même qui pas tombé. Ça t'est venu bah non, plus difficulté tellement gain. Ben bravo pour NH qui était par énergie hier soir. Moun était capable de dormir avec votre la terre, moun qui avance la terre. Moun garder télévision tout et moun dormi normalement et NH ta par énergie. Même si on pas payer non pour ça, mais faut dire moun yo faut payer NH puisque le bail court en plus dans mouvement ça yo, qui plus énergie. Al payer NH comme que nous gagne pour payer NH à payer NH. Et puis NH les gars, vous voyez, vous êtes content dans la pyramide. Pour ça bagayo a pu dépasser gain tout et matin c'est des gars en pile motocyclette en pile machine dans la rue j'en d'ab déjà comment c'est gain c'est embouteillage bloc boulevard la liberté là et je marche à gain en pile temps et matin pour me faire celui moi obligé passer par portail mouri moi vienne barrette dans carrefour PQ après ça me redescend encore parce que me te faire grand rue pour matin pour blocus. On va être si on est si fort côté dans ville là et n'a un coup de chapeau tout pour monde qui dans et cité madame Sanson nous allons voir Michel Similien monsieur dit nous va dire car pour madame Sanson et madame Sanson c'est pas madame Sanson c'est lui c'est Sanson et ça c'est frère Michel Similien et pour monde sortir pour monde sauver en bas l'eau et dans carrefour et ben c'est citoyen dans zone ici j'aime des de commencer à me couper de couper route la net pour que de l'eau lui-même pour capable faire passer c'est de gros faits et gaspé qui te mettait dans faire pour capable faire pour solidité et espace là et ben moun yo ça va pas payer yo couper espace là pour que pour yo faire de l'eau lui-même les cycler ça fait me rappeler à longtemps et les paysans yo moun et commune de Saline et commune marché de Saline rive la Sibonite et pour me citer ça aussi même de capable 5e section de la 6e section charrette moun sa comme te kon ville c'est combi yo fait combi et puis moun a travail moun a 20 30 40 50 moun vini dans jardin edel et les même doule la travail tout moun vini de yo comme ça travail fait net et c'est comme ça te kon faire pour nettoyer canal pour l'eau et circuler et ben yo vini blanc qui vini payer pour nettoyer canal les blanc pas payer canal pas nettoyer sont dans la Sibonite quasi. Si le combat qui fait d'avant, il y a un monde qui est en route, 6e section, Walter Blanche, route la case net. Et il y a toujours après les moments de l'État, font bail pour eux, l'État va en faire un. Pour un citoyen qui mourit, Walter Blanche, et route la case, imagine pas qu'à circuler. Habitants dans la zone, là, mettre des têtes ensemble. Non, moins que 5 heures de temps, demi-journée, ils travaillent maintenant, ils prennent gros roche, ils mettent gros roche. Ils prennent remblais, ils mettent remblais. Et bien, maintenant, ça gagne plus qu'un mois. Depuis mon amour, jusqu'à présent, vous dites ça, tout ce qui est dans un habitant dans un rangé ou terre pour contrôler. Vous rangez ou terre pour contrôler. Machine, cycle, motocycle, cycle, normalement, dans ou terre blanche. Depuis en Babanique, vous avez pour mon témac. Depuis en Babanique, l'offre qui est ici, vous avez là où t'as écrasé. Vous montez, et matin, et moi, faire un vieux dans un zone, non. J'aime garder grand rivière qui bouche, mais mon nom fait combi. Il y a des bouchées rivières. L'aide doit arriver pour doit descendre, pour la tomber dans rivière Sibonique. C'est pas comme ça, mon opère dit qu'on y a. Question, notion, combite, mettez tête ensemble, vous avez ensemble, non? Pour nous faire 10 bagages, ça, et mais qui fait un pile poids, pour nous-mêmes, yo, oui. Et, circulation, en fait, en pile machine, en pile motocyclette, mais,
et au point temps pour traverser cette ville là, mais quand même, ou arriver à traverser cette ville là quand même. Il y a un petit côté tout nous, si pas dans la ville là, un petit patron dans la ville là, eh bien, la mairie dégage pour ouest là ou même, pour capable faire pour ramasser patron. L'école va avancer sur l'île. Et là, la situation va plus compliquée. Question de blocage, question de bouteillage, il va plus compliquée. Pour les grands pays, le monde qui commence à descendre dans le marché, pour faire provision, acheter tennis, acheter sandales, acheter uniforme, acheter toile, voilà, écoute. Et moment ça, c'est moment. Et moment bon, c'est un bon taille, il va faire un petit club. La question coût uniforme. Ce coût uniforme, ça, là, vraiment bon pour le monde qui. Et dans bosse taille mon qui dans domaine taille chaque fond des moments yo ou pas besoin reler en pile donc je dis c'est pour moment bosse taille yo qui était bosse taille yo faire affaire après ça bal et tout moment bal moment marché mon qui banas pour ba l'école tout monde chemisette ça c'est moment pas tout yo bal dégager normalement si le bagage qui c'est que dans moment on parle avec la bagage gaz non bagage gaz dans pompio mais galon toujours vendre et il y a plusieurs citoyens qui relent hier soir monsieur quand après t'aime dormir. Il y a un problème, il y a un problème pour m'aider à suivre. Si on est mal suivi, à minuit, il y a un pompe qui balle par le gaz. Hier soir, il y a un pompe qui balle par le gaz et vous devez vous m'accompagner. Ah, monsieur, je vais regarder pour moi si vous avez venu. Mais, ça, c'est lui. Je vais regarder à minuit, coucher, ma famille, à minuit, pleuver, je vais regarder le monde qui balle par le gaz. Et négocier avec des camionnettes qui viennent avec plusieurs dômes et ils vont gaz à soi. C'est un moment pour profiter du commissaire gouvernement. La police, la mairie, la justice, eh bien, mais ça au dim, eh bien, prends ça au sérieux. Parce que la police et la justice, le commissaire a dit que depuis on pompe un gaz dans le galon, il a saisi pour là. Eh bien, c'est un patrouille de la police dans la soie pour contrôler les mounio, pour suivre les yo, et puis pour ça faire, après vous faire la veille. Parce que y a une stratégie, pendant qu'il y a une stratégie, pas tout, la question, vendre gaz. Vend gaz à soya, donc c'est pour la police dégager, pour le la lui-même n'est capable de faire. Toujours une difficulté, la question banque aussi, toujours une difficulté, et map tout ça encore, chaque fois l'école va augmenter, il y a une petite difficulté parce que, dégage, comme on dit tout, en pile l'école, la majorité de l'école, le connaît, si on fait un petit mounoual payer la banque, et bien en pile l'élève l'école va payer la banque, plus le fonds va le dégager, et la banque, et bien situation chaque jour, vient plus compliqué, en pile monde, devant banque, on a passé misère pour y rentrer. Et pour rentrer, et là, on se dans le encore, pour passer en pile, mon banque. Donc, bon, je parle les citoyens, et c'est les citoyens qui a joué, donc, je plais en pile, et ça vraiment fait mal, pour un monde qui a pris un soleil, qui va chercher l'argent, ou bien qui va mettre l'argent, qui a pris un soleil pendant plusieurs temps, et là, il vient dans le débat là, depuis il vient dans le débat là, parce quand même, mais il a fini dans le dernier limite, dernier moment, dans le dernier lettre, il va finir dans le débat là, c'est un véritable problème qui gagne. Sans unique, il va travailler sur lui, et moi, la police et agent mairie, toujours campé. Et ma bande de l'air principal, si nous avons tous ensemble dans midi, et l'air prenant ensemble dans midi, et nous avons profité dans le moment ça fait des autres, par exemple, tout pour monter des sons dans l'air ça, mais faire les paroles l'air pour éviter que nous fassions des autres dans l'air que la police même l'a fait travail. Question Gazam, t'as pas l'autre à l'air, Gazam toujours avant, mais pour vous, la liberté, contactez. Du fait que pour dernier du fait que et jusqu'à présent pour ne pas mettre des pilares. Je te convainc tout bon l'école nationale et à Montauban sous Vivea et mes citoyens dans zone depuis venir la citoyen et la police et mes citoyens écrasé question et gaz et sous Vivea écrasé net yo pas là donc ma connais tout citoyen était faire comme ça mais ça empêcher mon vendre gaz devant la caillou parce que les gaz à produit Vivea innocent ca bouler n'importe pour capable bouler donc si les villes à lever matin de gaz très chaud. On fait l'activité, on est l'école à l'ouvrir, après on a fait l'activité, et mais, ou quand on a sorti Gonaï pour entrer ses marques, même j'en trouve qu'on a sorti ses marques pour entrer Gonaï, sans trop difficulté. C'est comme ça qu'il a levé pour moi là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez, qui a attendu des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous était branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne là, et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.